Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutodi TV. Aujourd'hui un petit épisode un peu spécial, c'est un petit exercice de gonflage. Ça nous est tous arrivé d'avoir la voile qui se retourne et qui tombe sur le bord d'attaque au gonflage. Là on va voir comment la retourner sans aller toucher la voile. Donc là l'idée ça va être de retourner la voile. Pour que ce soit démonstratif, on va essayer de retourner cette demi-aile là et la repasser de ce côté là. Donc dans la configuration en fait en général que vous allez avoir, c'est ça. Voilà ce qui va se passer. Si on freine là, voilà, en fait la voile, on n'arrivera pas à la retourner, elle est passée dans la fenêtre. Donc ce qu'on va faire, on va se décaler un petit peu pour que notre bout d'aile qu'on veut retourner se retrouve plus possible dans l'axe du vent. Donc là, je vais mettre des tout petits coups de frein. En fait, ça va permettre de retendre la voile comme il faut. Voilà, là, je me redécale un peu là. Et là, l'idée, ça va être de tenir la voile juste avant son point de décrochage, qu'elle vole en marche arrière, cette demi-aile là. On contrôle vraiment surtout, c'est notre bout d'aile qui nous intéresse. Le centre, pour l'instant, on s'en fout. Et on va accompagner le mouvement, en fait, pour toujours que cette partie-là de la voile reste dans la fenêtre devant. Donc, allez, c'est parti, on y va. Et là, j'attaque et je marche avec la voile. Et là, on arrive à la retourner. Voilà, une autre configuration. Là, la voile s'est vraiment mise en chiffon. Donc, ce qu'on va faire, là, l'idée, toujours avant, c'est d'essayer de retendre cette demi-voile. Là, on voit bien... On cherche à avoir une tension sur tout le bord de fuite et de se tenir avant le décrochage de la voile. Il faut pas qu'en fait on vienne décrocher la voile, juste on la maintient en marche arrière. Hop. Donc là, j'ai pas assez de puissance devant, donc je me redécale un peu. Le vent vient vraiment dans cette direction là. On voit l'axe de la drisse de frein, le vent vient vraiment dans l'axe de la drisse de frein. Voilà, là on la prend et on accompagne le mouvement jusqu'à ce que la voile soit par terre. Et là, comme dans les tutos précédents, on met un coup de pré-gonflage, la voile est prête à redécoller et on accompagne le mouvement. Voilà, on cherche le point où la voile monte en marche arrière et on accompagne le mouvement jusqu'à la voile. Et là, un petit coup d'avant, un petit coup de frein. Un petit coup d'avant, un petit coup de frein. Et la voile est prête à redécoller.